ravi de vous retrouver pour la suite de ce let's play Beyond Earth. Cette deuxième tentative qui se dirige tout doucement vers la fin, puisque, en tout cas pour ma part, je suis en train de rechercher la porte de l'émancipation, qui correspond bien quand même à une condition de victoire. Alors, il faut quand même être très en suprématie, ce qui ne va pas être mon cas. Donc il me faudra encore quelques sciences. Enfin, une science si je la choisis bien. Après, il faudra que je fabrique la porte de l'émancipation, là, c'est ça? Ouais. Et après, il faudra encore que j'attende, je sais plus, 25 tours, je crois. Donc, ça prend du temps. Enfin, surtout les 25 tours après, je trouve ça. Faut pas trop le... Enfin, si, l'intérêt, c'est qu'on peut essayer peut-être de la détruire si quelqu'un l'a fait avant nous. Ce qui peut se révéler nécessaire si on est en retard. Mais à part ça, je vois pas trop pourquoi ils ont mis les 25 tours. Ça doit être pour ça. Alors, en tout cas, moi, je continue. Je vais faire une merveille qui a l'air vraiment pas mal. Elle augmente l'expérience des unités. Elle augmente la science. Et, accessoirement, qu'est-ce qu'elle fait d'autre déjà? Je sais plus. Non, c'est tout. Elle est très longue à faire, par contre. Et, j'espère que personne va la finir avant moi. C'est un peu toujours l'angoisse quand on fait des merveilles, évidemment. Vu le nombre de tours qu'on investit dans ce genre de choses. Est-ce que j'ai déjà fait le cabinet machin chose là? Ah non, je vais attendre alors. Alors du coup, je vais me retrouver avec pas forcément grand chose à faire. Je vais faire de la science. Ah, comment on annule du coup? Comme ça peut-être? Non. Ah, ça m'énerve. Comment on fait pour annuler un bâtiment? Comment? J'essaie de me rappeler, mais je crois que j'ai déjà eu le problème. Annulé. Non. Ah, franchement, l'interface laisse à désirer. C'est beaucoup moins intuitif. Alors, c'est pas grave, je vais me faire autre chose. Le berceau. Berceau-lait, qu'est-ce que je l'ai fait là? Même pas. Oh, merde. Ça m'énerve. Barrière ultrasonique, ça m'intéresse pas. Périmètre de défense. Et moi je veux faire ça, mais du coup je veux pas faire ça. Comment on fait? C'est des plus énervants ce truc. Oh, je sais pas si ça bug chez vous aussi. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, du coup, deux petites secondes parce que chez moi ça bug complètement. Donc il va falloir que je fasse quelque chose, deux secondes. D'ailleurs, je pensais que ça se verrait à l'écran, mais a priori non. Ok. Donc, mystère, je vais pas passer mon temps à rechercher comment on supprime un bâtiment à la mort moelle-neu. Décidément, ça rebug, je suis désolé, il va falloir que je prenne 30 secondes pour faire un petit truc. Ok. Bon, restons zen. Si je fais ça par exemple. Ah bah là je vais pouvoir... alors si je le passe en prioritaire ici... Ça c'est qu'on peut jamais faire... On peut jamais remonter le développement scientifique en tête. J'aimerais bien le faire en tête mais c'est pas possible. Donc je vais me retrouver comme un con à faire un bâtiment qui m'intéresse pas. Mais bon, il doit y avoir un moyen, je pense que c'est prévu, sauf que j'arrive pas à le trouver. C'est pas très intuitif, ou alors c'est moi qui ai pas la bonne logique, ça peut être ça aussi. Bon, c'est pas grave, maintenant je vais me dépêcher pour avancer un petit peu, parce que sinon... Alors, les avions, j'ai dit que j'allais en mettre deux ici. Réaffecter. Au cas où les Américains, parce que je me suis quand même bien installé chez eux,
Donc je préférerais qu'il s'excite pas trop. Là, je vais aller voir ici ce qu'il y a. Ouais, il n'y a pas grand chose. Parce qu'il y a quand même du titane et de la phyraxite. Donc si j'ai de quoi mettre une petite ville en bas, ça m'intéresse. Alors vite fait, on va se faire ça. Un nid d'alien qui a réussi à se coller là, à un endroit assez improbable entre mes villes. Ah, la condamnation a expiré. Honnêtement, je leur déconseille de me faire la guerre, je suis quand même plutôt pas mal, je trouve. Ça risque de tourner à leur désavantage. Si j'étais courageux, je ferais la guerre à Magan. Mais comme je suis déjà en tête, je suis pas super motivé pour me lancer dans une guerre si je suis déjà en tête. Ok, donc continuons à voyager. Alors lui, c'est l'unité en trop, entre guillemets, celle qui a... Ouais. Merde, ça bouge trop là. Ok, je vais la caser là pour l'instant. Alors Tiangong pour la merveille. Alors ma ville. Je vais vite fait bouger ça. Ah ouais, là je vais m'installer là. Si je me mets là, je suis relativement loin de Quyen. Et je pense que je pourrais me choper le Phyraxis. Peut-être pas d'ailleurs. 1, 2, 3. Non, il faudrait que je me mette là pour bien faire. Oh, chier, je voulais me mettre là. Je sais pas ce que je vais faire. Alors, biopuits. Sur les cases de forêt, hein, je continue à mettre le biopuits, puisque je sais pas trop, j'avoue, quel genre d'amélioration utiliser. Il y a peut-être mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a que ça qui me vient à l'esprit. Alors, je vais faire une auto-usine. Alors là, faut que je me méfie, hein. Faut pas que je prenne le cabinet, je sais que je peux pas le faire. Donc je vais faire de la science. Sinon, je vais me faire avoir, encore une fois. Et je vais être obligé de faire un bâtiment que je voulais pas faire. L'agent secret, Aiden Yenfield, a pu s'échapper. Ok. Ah, ma merveille est presque finie. Je crois que je pourrais encore plus accentuer mon avantage en vendant mes ressources. J'avoue que j'optimise pas trop mon résultat. Je devrais peut-être le faire d'ailleurs, tiens, je vais me lancer là-dedans. Station découverte. Donc lui, il va continuer à explorer. Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose quand même. J'hésite. Non, je crois que je vais être raisonnable. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Je vais me mettre là. Donc lui, il peut rentrer à la maison. Donc ça, c'est l'augmentation de la population. D'accord. Ici, xénocarburant. Alors là, la science... Là, la science va vraiment être boostée. Je suis rendu à 357 de production. Alors, ce que je voulais voir, c'est si je... Là, en ce moment, je favorise la production. Si je favorise la science... Ah oui, c'est quand même mieux. Du coup, partout où je fais du développement scientifique, il faut que je mette ça, je pense. Oui, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Je suis rendu à 395. Ah oui, là j'ai vraiment boosté ma science. Le résultat est pas mal. Alors maintenant, il faudra que je pense à chaque fois à changer quand je passerai en mode production, en mode science. Il faut que je fasse le changement.
L'hypercœur, ah, ça c'est trop fort l'hypercœur. Par contre, ça coûte cher en Phyraxis et j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que j'en veux absolument. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse là, absolument, ouais, faut que j'y pense, je vais le faire tout de suite. C'est couper la route aux Américains pour pas qu'ils. Sinosur, ah. L'insomniaque. Golem dont l'esprit donna naissance à Kalpa. Ok, 7 de science, un niveau d'expérience pour toutes mes unités. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Prochain tour, peut-être. Non, lui, malheureusement, il va tout de suite repasser sur une merveille. Tractobot. Très rapide en plus. 10 tours. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est 25% de production si j'ai bien lu. Où est-ce que je peux revoir ça? 25% de production sur les merveilles, donc j'achète. Donc lui, il a fait sa petite amélioration. Je vais aller là. Il va faire ça. Lui va débarquer. Oh, 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 oh. J'espère que les verbes ne m'en veulent pas trop. Est-ce que ce que je voulais faire avec lui déjà, je voulais faire un truc. Je vais faire un autre colonisateur. Donc je passe en mode production. Là je vais faire une autre unité militaire, peut-être un exécuteur, j'en ai pas tant que ça. Et ici. Donc ce que je voulais faire, c'est absolument acheter des cases. Pour couper la route aux Américains, c'était le but de ces villes. Parce que sinon, s'ils prennent une de ces deux cases, on n'aura plus le passage. Faudra leur demander l'autorisation de passer et tout. C'est super chiant. Par contre, ils vont m'en vouloir. Hein. Je sens qu'ils vont me condamner une nouvelle fois. Voilà, juste comme ça. Pour être sûr, ah ben là, j'ai pas suivi la route, mais enfin, c'est pas grave. Pour être sûr que j'ai le passage entre mes villes et qu'ils me couperont jamais. En deux, en clair. Alors attention au résultat par contre. Il risque de pas apprécier. Donc lui il va aller là. On va voir au prochain tour. C'est les Américains. Enfin entre autres, c'est eux les plus concernés. Non, ils disent rien. Ça va. Ils sont pas rancuniers. Bon, ça, lui, il dit que je sais pas. C'est pas très clair ce qu'il me dit d'ailleurs. Ça veut pas dire grand chose. Du coup, je l'écoute pas s'il est pas clair. Alors là, je me suis pas fait tuer. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors, je vais aller là, par exemple. Congrène. Cuyenne. Alors, il y a un truc qui m'a échappé. J'ai quand même fait une merveille qui me donnait plus un niveau d'expérience pour toutes mes unités, non? Alors, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Celle-là. Accorde un niveau de vétéran supplémentaire aux unités militaires. Mais alors du coup, c'est pas moi qui choisis leur niveau. Alors peut-être que ça s'est fait automatiquement, j'ai pas eu le choix. Parce que je trouve qu'en fait elles ont un sacré grade. Peut-être que j'ai pas le choix. Ah, c'est bête, je me serais fait un plaisir de leur donner leur promotion une par une. Ou alors je comprends pas le sens de la phrase. Ou c'est peut-être à la création de l'unité. On va voir quand je vais créer celle-là.
Une loge Culper a été construite dans votre capitale et un agent secret a été recruté. C'était quoi ma quête déjà? Ah bah j'ai carrément plus de quête. C'était quoi ma quête déjà? Ah, c'était faire une mission de niveau 4. Ok. Bon bah il va continuer. Est-ce qu'il s'est fait repérer d'ailleurs? Ah, il a été repéré, donc je vais le changer de place quand même. Alors, je vais le mettre là. Donc maintenant, je laisse un espion en permanence chez moi. J'ai de quoi, hein, j'en ai vraiment des tonnes, des espions. Je sais pas combien j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux bien me permettre d'en laisser un en permanence chez moi, ça évitera au niveau d'augmenter. Alors, Xénopépinière. Tiens, là-bas, il y a une mine à construire. Lui, blindé. Fortification. Est-ce que j'ai pas... Tiens, là, je vais acheter une case. Et je vais aller faire une mine. Alors, donc lui, premier objectif, faire sa petite route. Lui, j'ai bien envie de le mettre en automatique. Pour ce qui sert, c'est quand même bien tentant. Les nœuds plus un de science. Ah, il y a encore des aliens. Le retour des aliens. Il va falloir que j'aille m'en occuper. Alors, ah ben en plus, j'ai fait un colon. Alors, choisir une construction. Je vais faire un soldat pour changer. Un apôtre, pardon. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Alors le colon, bah, je vais tout simplement l'installer ici, je crois que c'est bien. Bon, c'est pas forcément génial parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Mais j'ai de la phyraxite, c'est surtout ça que je veux en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis trompé de colon. C'est pas grave. Alors ici, cantine civile. Ici une mine. Ah, aéro-roche. Alors j'ai dit que ce que je voulais faire c'était peut-être vendre un peu de ressources. Pas à lui. Neutre. Si je lui vends de la biomasse, j'en ai la xénomasse. Libre passage, je m'en fous. Énergie, ça ne donne pas grand chose. Il donne surtout des faveurs là, alors que j'en veux pas. Un accord de coopération nécessaire pour procéder à cet échange. Torgovlia opieras nie na potrzebach, a na sprawiedliwości. Je m'en fous, ton truc géothermique. Ah, il est riche lui par contre. On va lui demander 500. Le problème c'est qu'évidemment l'interface est très mal faite. On sait pas à quel niveau il va accepter, donc faut y aller doucement. J'ai aucune idée, ça se trouve. Un poil chiant quand même. Konieczne. Bon, bah pour l'instant je vais faire que ça.
que j'aimerais, moi, c'est échanger de la science. What do you want, Yubbo? Oh, je sens qu'il m'aime pas, lui. Well, I'm listening. Non. Not in... Hostile. Le problème, c'est qu'ils sont tous soit neutres, soit prudents. Hoyt pozna komincja. Co żaleju. C'est la condition pour échanger de la science. What troubles you now, Elmo? Ah oui, you chatter. Ok, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir coopérer avec moi. Namaste. D'accord. Pas de diplomatie dans ce let's play. De toute façon, le côté diplomatique est tellement peu développé. Ça m'intéresse pas trop. Une bonne IA empêche les mauvais opérateurs d'accomplir en un clin d'œil, à l'aide d'ordinateurs, des tâches inutiles avec moult degrés de sotte précision. Alors, une nouvelle science. Donc si je veux aller vers la victoire le plus vite possible, il va me falloir mon niveau 13 en suprématie. Le plus rapide. Donc ça c'est 12 tours. 12 tours, 7 tours. Mais avant il faut que je fasse ça qui coûte 4 tours. 12 tours. Bon, moi j'ai pas trop le choix. Hein. Le plus rapide, c'est de passer par ici. C'est où? C'est là. 4. Ah non, merde, parce que j'ai pas fait ça non plus. Alors, remarque, c'est un seul tour, ça. Ouais. Je vais faire ça, ça et ça. Force génétique. Ça, c'est une merveille. Bon, ok. Bah, 12 tours avant de monter un en suprématie, ça fait long. On va faire vol de technologie, pourquoi pas. Tu peux essayer. Et vol d'argent. Donc ici, je repars sur de la science. Ah, peut-être pas. Je crois qu'il me faut deux satellites. Deux capteurs solaires, donc je vais en faire un ici, si je me mets en vue satellite. Il m'en faut bel et bien deux. Capteurs solaires. Mes revenus sont redescendus quand même, je trouve. Eux, je vais les mettre en automatique. Ils servent à rien, j'en ai marre de les gérer. De toute façon, s'ils trouvent quelque chose d'intéressant, je serai mis au courant. Ah, un jardin génétique, c'est pas mal. Ça, c'est une merveille ou quoi? Normalement, quand c'est en cercle comme ça... J'ai eu peur que ce soit ma merveille. Quand c'est un cercle comme ça, normalement, c'est une merveille, non? Sauf qu'elle m'a l'air ridiculement petite. Est-ce que c'est vous qui changez les pas dans la danse de la vie? Ou est-ce la danse de la vie qui change vos pas? Je continue. Alors là, je vais aller directement ici. Alors le satellite, je vais le mettre là. Ça va pas forcément me rapporter beaucoup pour l'instant. C'est des petites villes. Normalement j'étais en train de faire un autre satellite. Ah, il est pas fini, pardon. Je crois que je vais arrêter la vidéo là.
J'aurais bien aimé finir la merveille, malheureusement, les tours passent pas très vite. Alors. Ici. Bon, pour l'instant, je vais faire de la science. Là, c'est Tiangong, la capitale. Dès que je vois la capitale, il faut que je la fasse parce que faut vraiment booster la production de la capitale. C'est tout ce qui compte. Là, je vais aller dans la ville d'à côté. Donc là, je vais créer une ville ici. Ça me paraît bien. J'aurais préféré aller un petit peu plus loin. Je suis trop près de celle-là, ça m'intéresse pas. Ok, fortification. Radar, satellite, pardon. Donc, ici. Cette partie. Ce que je peux faire, c'est acheter mon bâtiment ici. J'ai jardin génétique à acheter. Un de science, deux de santé. Ayan, oui. Pour l'instant, je ne vais pas les faire dans les autres bâtiments. Non, je vais d'abord attendre d'avoir fini transgénèse. Force génétique. Prométhéen, ça aussi, c'est une merveille, décidément. Il y en a beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.